Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des petits jeux pour le faire avec les frères, les sœurs, les papas, les mamans. Et puis, pour le premier jeu, il faut se munir de gobelets. Prêt? Partez. Alors, pour le premier jeu, on se met en équilibre avec le genou en l'air, les bras sur le côté. Le but, c'est de ne pas faire tomber son gobelet. Allez, c'est parti, on cherche. Ah, tombé! Dès que quelqu'un fait tomber le gobelet, c'est le gage pour tout le monde. On y va? À moi aussi? Oui, c'est parti, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On réessaye l'autre jambe. L'autre jambe. J'ai pas d'équilibre avec la jambe gauche. Allez, l'autre jambe. On essaye. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à répéter Ok, plusieurs on fois. passe pour le deuxième jeu. Deux gobelets au sol de chaque cou d'une couleur différente ou d'autres objets. Hein. Ça peut être des peluches, ce que vous voulez. Ok, c'est parti. Petite course sur place. Petite course sur place. Allez, un peu plus, un peu plus énergique. Vert. On repose. C'est parti. Hey, petite course sur place. Vert. Encore. C'est parti. Bleu. C'est parti. Encore. Vert. Voilà. À répéter plusieurs fois. Parfait. Troisième jeu. C'est parti. Main. On court. Main. Tête. Fesses. Hanches. Genoux. Fesses. Gobelet. Allez, on y va. Reposez. C'est parti. Tête, fesses, ventre, cou, gobelet. Une dernière. Allez, on court, on court, on court, on court. Genoux, fesses, gobelet. Voilà. Alors, position, pompe. Bleu. On replace. Bleu. On replace. Vert. 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 Voilà. Alors, répétez. Toujours en position pompe. Ça, c'est pas la bonne position. Allez, on y va, on vient taper dans la main opposée. Allez, on y va. Eh, eh, eh. Encore. Voilà, très bien. Alors, allez les deux. Les mains sur les hanches. On y va. Allez, on plie. On vient mettre les mains sur les côtés, sur les chevilles. Hop, sur les côtés. Sur les côtés. Voilà. Et dès qu'on arrive, on me pose les mains sur le tabouret et on lève la jambe 20 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait que 10 là pour montrer. Et de l'autre côté, on y va. Et 1, et 2, et 3, encore 1, et 4. Et là, on lève la jambe de l'autre côté. Et 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le jeu du foulard, on a installé un foulard dans le pantalon. Allez, face à face, on essaie d'attraper le foulard de l'autre. C'est parti, go! Allez, ça tourne, 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 ça tourne. Allez, 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 quand il y en a... Bravo! Deuxième version.
un petit peu plus sportive. Allez, c'est parti. Position top. Allez, on y va. On y va, 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 on y va. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. Bravo. Alors là, on a préparé un petit parcours. Donc, là, elles ont mis un livre sur la tête. Vous pouvez le faire avec des balles en faisant rebondir la balle. Si vous voulez, balle de tennis, gros ballon, ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Allez, vous vous suivez toutes les deux. On a un livre sur la tête, on a un petit parcours, on essaie de le garder bien en équilibre. Il y en a qui sont doués, il y en a qui sont moins doués. Ok, le deuxième, les mains à la taille, des rouleaux de papier toilette et on y va. Allez, pas chasser, en zigzag. Ok. Le troisième, hey, saute, saute, hey. Voilà. Alors, vous pouvez le répéter avec vos enfants et vous pouvez les chronométrer aussi. Ça peut être sympa. Alors, pour le dernier jeu, on a prévu donc un obstacle, des obstacles, pardon. Nous, on a mis les tabourets, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, elles partent avec une grosse cuillère. Nous, on a mis des grains de raisin, on a pris ce qu'on avait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des œufs, vaut mieux éviter, parce qu'après, il y a du ménage. Allez, c'est parti pour la première. Alors, allez toute seule à le faire, mais vous pouvez très bien le faire à deux. En même temps, une fois qu'elle arrive au bout, on dépose. Et on court, on court, on court, on court, on va en chercher un autre. Voilà, hop, et c'est reparti. Faut pas faire tomber son grain de raisin. Voilà, vous pouvez rallonger le parcours. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et on pose. Donc, vous pouvez le faire à 2, à 3, à 4 en même temps. Et après, on comptabilise celui qui a réussi à amener, par exemple, ses 4 grains de raisin le plus vite. Allez, amusez-vous bien. Je vous embrasse.